Et ceci très important. Et ceci très important. Parce que dans la situation côté nous, hein, et après bon Dieu, dans le ciel là, avec intervention, monde qui a une bonne volonté, bon Dieu parle dans le cœur. Et mettre du conseil nous livrer à la merci de tout. Et normalement, 31 décembre 2021 qui s'est passé là. Et tes tentatives d'évasion qui t'est faite dans la prison civile quoi des bouquets à côté que pas vraiment grand prisonnier qui t'est sorti, mais t'es plus que une vingtaine qui perdu la vie, les chefs venir rentrer récupérer prison depuis mon jeune sous la croix, yo tire au balle dans tête, yo t'est même arrivé venir dans cellule, yo prend un élément qui est Damas dans cellule et puis yo tire le tout. Alors, ça qui vient faire surface la kounya là, c'est parce que depuis pendant toute semaine, depuis après 1er janvier, pas de personne, il n'y a pas jamais mis nous dehors. Soit pour aller bien, pour aller dans la récréation, pour aller prendre de l'eau, quelqu'un bagaille comme ça. C'est des barres à nourrité, ils viennent faire plein de petits galons pour nous, ils viennent mettre devant cellules là, nègres qui n'ont dispensaire, monde qui dans la cuisine. Alors, ça vient rentrer en ligne de compte, mais nous toujours, il y a des billets qui viennent avec gros âmes dans la main. Des âmes neufs dans la main. Mais dernièrement là, Kavin a empiré. Et monsieur est venu ensemble avec chargeur qui TP, parce que normalement, si toutefois il est venu dans une intervention dans le système carcéral, côté qui est prisonnier qui n'a pas gagné un an, mais on pense que ça qui a supposé dans le monde, c'est un homme qui a un bal caoutchouc et puis gaz lacrymogène, il est venu ensemble avec le conseiller de Gogalil. Normalement, la police a gagné deux âmes libres pour les policiers qui ont gagné jusqu'à trois jours. Vous comprenez, si les âmes nous ne sont pas qui sont dans les policiers. Et on sait de monde tout qui cagoule, nous pas qu'on habitué fort monde ça. Bon bref, mais nous venons apprendre que c'est possible dans logique pour éliminer Dimitri Erra, mais pas même occasion, hein, il a profité de son massacre pour justifier la cause. Il y a un élément qui sur radio qui fait message à passer pour nous. Une série de mercenaires, je dis ça comme ça, bien une série de gangs aux États-Unis qui sont précisément dans l'État Floride, bon précisément dans Miami, il y a les OPAM qui viennent, ils descendent dans l'hôtel Le Moncel, ils descendent dans l'hôtel Le Plaza, c'est sous chaîne masse là. Et gain tout monde qui dans machine qui dans derrière dans l'aéroport là, c'était une machine officielle, machine OF-44 comme ça, pas fini rappeler. Et yo gagne $1 million dans main pour entrer pour venir chez Dimitri Erra en façon pour faire couverture pour quelques dossiers. Mais dans l'occasion ça yo font gens pas jamais ba nous manger. Yo pas jamais ba nous manger à l'heure, ba nous manger chaque 24 heures dedans. Alors chaque 5 heures dans l'après-midi, on se réveille pas par jour. Et puis on tague en façon pour nous révolter, les nous révolter. Pour qu'a dit nous a fait tentative pour nous caser prison et puis après ça pour qu'a ouvert balle sur nous et par même occasion pour qu'a fusiller Dimitri. Alors docteur n'a pas de vous faire message à passer pour nous et que bon Dieu bénisse nous et priez pour nous monde qui a fait intervention au niveau ambassadeur dans droit de l'homme international, gardez pour nous comment qu'a fait pour nous, priez pour nous tout parce que normalement bon Dieu au-dessus de tout. Merci. Que tu avais des rapports étroits et des rapports de père et de fils avec un maître Aristide. Et quand tu étais au niveau de la police nationale, est-ce que gon parti dans l'histoire ça que Mounda doit connaître aujourd'hui? Ouais, je profite de l'occasion hein, pour dire toute la vérité. Faut nous dire toute la vérité aujourd'hui. Dis-moi. Gary, tout le monde connaît que je n'ai aucune relation avec Jean-Maître Aristide. Avant que je rentre en Haïti. Dans même quitté le pays en 1989. Président Aristide, bien président, en 1990, décembre 1990, et puis précisément en 1991. Je suis retourné en Haïti en 1996. Le seul pas président encore, c'est René Prival qui est président. Comme moi, j'ai un boursier force armée d'Haïti, moi, j'ai étudié en Équateur. Côté, moi, j'ai fait académie moi, de 1992 à 1995, fin 95. Donc, là, moi, rentré, c'est président Prival, moi, jeune, et je viens dans l'armée qui crasé. Mais comme boursier force armée d'Haïti, mal cherché à rentrer dans la police nationale d'un grand pilote officier de belle. Et puisque je me dis pomme zouke son académie en Équateur qui existe depuis 1937, et c'est le premier haïtien que l'on a là.
Ouais. Premier étranger, pas haïtien, non? Étranger. De tout temps. L'académie qui bon. Équateur et Quito. Ok. C'est moi le premier étranger que lauréat dans l'académie ça. Donc, et tout étranger confondu, tout le monde, lauréat sur tout le monde net. Mm-hmm. C'est saldé, donc je viens avec un bel dossier. Je viens là, me présenter. Et je prends la police là comme, premièrement, et sécurité rapprochée président Prival. Et ensuite, commissaire et Wanamet. Wanamet. Après, je viens d'Elma et je viens au Cap. Donc, c'est ça et qui vit moi. Donc, comme commissaire d'Elma, parfois, président Aristide dit tabac et tabac était dépendant de moi mm-hmm. à l'époque. Si ancien président a besoin, je vais le service. T'as que c'est un problème là, Kali, dans la zone, il relève, je vais patrouille. Mm-hmm. C'est sauf relation ça que je gagne avec président Jean-Bertrand Aristide. Donc, qui ça pourrait mettre nous dos à dos? Premièrement, et premier bagage qui a fait commencer à douter de président Jean-Bertrand Aristide, c'est côté le fait université. Quand elle fait l'université, c'est ton terrain que tu as en pile là-dedans. Mais tu es un petit côté dans le temps que tu es un paysan. Tabac. Moi, tu es commissaire d'Elma. Je relève parce que tu as fait avantage. Tu ne sais pas, oui. Je fais avantage. L'homme rivé dans l'avantage là, nèg ça qui met le terrain dans le temps, tout petit. Il va te mettre un bon sabbat. Le président Aristide offre tout comme, il te voyait, tout le monde connaît cousin Anthony Nazaire. Oui. Mais ben non, c'est comme ça. Oui. Pour la vérité, comme on dit, oui, on ne va pas critiquer aucun monde. Non. On fait l'histoire. Paysan dit le pape Vander. Parce que tu es un bagage affectif avec toi, parce que c'est président Tancred Auguste qui te baille. Grand-père, on va comme ça, le pape Vander. Pendant discussion, monsieur Pavli, avantage de la fête, il balle dans le pied. Et je me dis trois policiers avec moi, parce que je ne connais pas la langue, je connais son avantage. Mm-hmm. Je me dis trois policiers pour faire avantage pour l'ancien président. Il y a une sécurité. Présidentiel, USP, mm-hmm. qui était là, bas mission balle dans pied. Moi-même, comme commissaire, me dit, ah, monsieur, entraînez là, amenez l'hôpital. Mm-hmm. Policier, ça, USP, ça a dit, non, monsieur, après là, l'absent, l'a mouru. Non, pied, le prend balle là. Monsieur, était le blessé, le mouru. Depuis le ça, moi, je me dis, il n'y a aucun rapport avec un aigle qui, tout côté, a dit, mais peuple, tout côté la dice a fait peuple et défend et puis pour un pays mourir dans l'Italie là Haïti débat depuis le samedi ah m'a prend distance moi. Deuxième bagage qui va le bon problème encore sur question la mer rouge t'es qu'un policier qui était les Marie Christine jeune qu'on connaît qui refusé bah on sait de bandits là mais les gars assassiné sous ta balle après qu'on fait une violence et ensuite nous avons bras droit moi. Mm-hmm. Inspecteur Basile Bertoni, petit point. Mm-hmm. Et la police a dit, monsieur, petit point, monsieur, pour bravo. Parce que je dis à Issa qui a pensé que l'armée où j'ai été un jouet. Mais on nous-mêmes qui gagne l'âge, je l'armée où j'ai pas été un jouet. Plus de 20 policiers mourir en bas de l'armée rouge. Scoop! La police d'Elma a décidé, fini avec Baïsa, elle m'a rentré d'Elma, sous 3 mètres, m'a décidé que m'a fini avec elle. Elle a fini avec elle. Yo, elle m'a dit, que moi, Bertoni a retiré dans derrière yo, il y a montré. Moi, il est Bertoni. Je me dis, Bertoni, moi, j'ai une sécurité. Je suis un qui malade pour sécurité. D'ailleurs, ouais, toute sécurité m'y là. Oui, oui. Je suis un qui malade pour sécurité et même pas jouer avec sécurité. Je mm-hmm. dis, Bertoni, on va une sécurité parti. On va pas camper là en Haïti. Et information que nous gagnons, il y a tuyo. Je dis, ah non, on va pas prendre balle comme non, parce que moi, bagaille. Monsieur, nous faisons des matchs, monsieur, je viens un visa américain. Je dis, quoi, madame, mettre un visa américain, on va pas parti. Je dis, Bertoni, on va un problème à payer et ticket à vous. Je dis non, commandant, ce pays m'a vive là-dedans. Mon inspecteur. Mon cher monsieur Ali Akin, non, diable. Il est capable de faire un méchant. L'aile tourne sur le monde, il a piqué tête. Il a tué. C'est le deuxième bagage qui font clic dans la tête pour me dire que je ne vais pas jouer. Et le dernier bagage qui crase là, c'est l'incident qui vient avec le commissaire No. Soudainement, l'inscription, je vais être accès comme candidat à la présidence. Devant CEPA. Côté Ronald Cadavre, prend un caoutchouc, il mettait gazoline dans la gueule, dans la tête commissaire, dans la tête de sécurité. Ça veut dire trois caoutchoucs, dans la tête de sécurité commissaire, plus une dans la tête commissaire. Et là, ça a fini. Moi-même, Guy Philippe, qui est commandant, et au Cap, à qui nous est commandant d'Elma, je mm-hmm. dis au Cap, je cours rentrer. Et je dis, il faut aller au président Prival, parce qu'il est là-dedans. Non, allez, le président Prival dit, non, ça, c'est le président Aristide pour nous, parce qu'il nous dit, il faut que nous arrêtions Ronald Cadavre. Le président Prival dit la grêle, le président Aristide, pour le dire ça, bagarre, il lui-même lui a pris la décision. Le nid qui est là-bas, il dit non, on a le cadavre, mais mon second, il n'y a pas fait dans
dans prison. Alors le ça oui me déraille. Et me déraille, me dit moi. J'aime pas là, on va quitter Haïti tomber dans ça là. C'est vrai que moi révolté, son policier me bat de révolter, me bat de rebeller selon j'en pense là mais comme citoyen comme monde, m'pas capable accepter des autres en fait. Donc me rebeller. M'obligé parti, me quitter pays. Moi en même moi tourner dans tête en rébellion et me freiner des rives là. Et c'est ça me fait. D'accord. Donc Gary Mendou c'est qu'on s'allie donc c'est pas un problème okay. Personnel. Oui, oui. Haïti était dans une mauvaise situation. C'est une transition. Faire deux voix comme citoyen. Et je dis à me venir là pour continuer à faire deux voix pour moi. Gary tout le monde connaît que m'a aucune relation avec Jean-Bertrand Aristide. Avant que moi rentre en Haïti. D'ailleurs me quitter pays en 1989. Président Aristide bin président en 1990 décembre 1990 et puis précisément en 91. Je suis retourné en Haïti en 1996. Le seul pas président encore, c'est René Prival qui est président. Comme moi, j'ai un boursier force armée d'Haïti, moi j'ai étudié en Équateur. Côté, moi j'ai fait académie moi, de 1992 à 1995. Fin 95. Donc, l'heure moi rentré, c'est président Prival, moi jeune, et moi j'ai l'armée qui crasé. Mais comme boursier force armée d'Haïti, je cherchais à rentrer dans la police nationale dans un pilote officier de Belle. Et, puisque je me dis que pomme que son académie en Équateur qui existe depuis 1937, et c'est le premier haïtien que l'on a là-dedans. Ouais. Premier étranger, pas haïtien, non? Premier étranger. De tout temps. L'académie qui bon? Équateur et Quito. Okay. C'est moi le premier étranger que l'on a dans l'académie ça. Donc, et tout étranger confondu, tout le monde, l'on a sur tout le monde net. C'est ça le délai, donc je viens avec un bel dossier. Je viens là me présenter et je prends la police là comme. Premièrement, et sécurité rapprochée président Prival. Et ensuite, commissaire et Wanamek. Wanamek. Après, Vindelma et Vinocap. Donc, c'est ça et qui vit moins. Donc, comme commissaire et Delma, parfois, président Aristide dit tabac et tabac était dépend de moi à l'époque. À l'époque. Si ancien président a besoin, moi, je vais service. T'as vu, c'est un problème là, quand il est dans la zone, il relève, il voit patrouille. C'est sauf relation ça que je gagne avec président Jean-Bertrand Aristide. Donc, qui ça peut mettre nous dos à dos? Premièrement, et premier bagage qui a fait commencer à douter de président Jean-Bertrand Aristide, c'est côté le fait université. Côté le fait université, c'est ton terrain que tu as en pile là-dedans. Mais tu es un petit côté dans le temps que tu es un paysan. Tabar. Moi, tu es commissaire d'Elma. Je l'aime parce que tu as fait avantage. Moi, je ne sais pas, oui. Je fais avantage. Le m'rivé. Le m'rivé dans l'avantage là. Nèg ça qui met petit terrain dans mi temps tout petit. Mon il va même bon ça pas ça. Président Aristide offre tout comme il te voyait tout le monde connaît cousin Anthony Nazaire. Oui. Moi ben non c'est comme ça lié. Oui. Pour la vérité comme on dit, oui, on va pas critiquer aucun monde. Non. On fait l'histoire. Président dit le pape Vander parce que tu as un bagage affectif avec parce que c'est président Tancred Auguste qui te baillé grand-père l'on bagage comme ça le pape Vander. Pendant discussion monsieur Pavle avantage la fête. Yo ballon balle dans pied. Et me dégain trois policiers avec moi parce que me pas connais dans balle en guerre, me connais son avantage. Me dégain trois policiers pour faire avantage pour ancien président. Youn nan sécurité présidentielle USP qui était là, ba mission balle dans pied. Moi même comme commissaire me dit ah monsieur en train d'éclater mener l'hôpital. Policier ça USP ça a dit non. Monsieur abrite là, la sain, la mourir. Nan pied le prend balle là. Monsieur était le blessé le mourir. Depuis le ça, moi je dis, je n'ai aucun rapport avec un nèg qui tout côté a dit le peuple, tout côté a dit c'est affaire peuple et défendre, et puis pour un paysan mourir dans l'Italie là. Haïti débat. Depuis le ça, je dis, ah, je prends distance. Moi. Deuxième bagage qui va le bon problème encore, c'est la question de l'armée rouge. T'es un policier qui a été Marie-Christine Jeune. Qu'on connaît que refusé, bah, on sait que de bandits l'en main, les gars assassinés dans ce tabac là. Après, on a fini de violer. Et ensuite, nous avons bras droit, moi, inspecteur Basile Bertoni, petit point. Et la police, je dis, monsieur, petit, moi, je dis, monsieur, pour bravo. Parce que je dis à Haïtien qui a pensé que l'armée où j'ai été en jouet. Mais on nous-mêmes qui gagne l'âge, je connais l'armée où j'ai pas été en jouet. Plus de 20 policiers mourir en bas de l'armée rouge. Scoop! La police d'Elma a décidé, la fini avec Baïsa, elle m'a rentré d'Elma, sous trois namètes, moi décidé que m'a fini avec elle, elle a fini avec elle, il y aurait les mieux dîmes,
que moi avec Bertoni après tirer dans derrière yo y a montré moi elle est Bertoni me dit Bertoni moi moi gain sécurité même son qui malade pour sécurité là ouais toute sécurité moi là oui oui on parle qui malade pour sécurité et même pas joie avec sécurité me dit Bertoni on va en sécurité parti on pas cap camper là en Haïti et information que nous gain y a tuyo je dis ah non pas prendre balle comme non parce que moi bagaille monsieur nous faire des matchs monsieur je viens visa américain. Je dis quoi, madame, mettre un visa américain, je ne suis pas parti. Je dis, bientôt, nous allons payer et ticket à vous. Je dis, non, commandant, c'est pays, je vive là-dedans. Mon inspecteur. Mon cher monsieur Ali Akin, non, diable. Il est capable de faire un méchant. L'aile tourne sur le monde, il est piqué tête. Il est tué. C'est le deuxième bagage qui font clic dans la tête pour me dire que je ne vais pas jouer. Et le dernier bagage qui crase le bagage là, c'est l'incident qui arrive avec le commissaire No. Soudainement, l'inscription, j'avais été accès comme candidat à la présidence. Devant CEPA. Côté Ronald Cadavre, prend un caoutchouc, il mettait gazoline dans la gueule, dans la tête commissaire, dans la tête de sécurité. Avec trois caoutchoucs, dans la tête de sécurité commissaire, plus une dans la tête commissaire. Et là, ça a fini. Moi-même, Guy Philippe, qui est commandant, et au Cap, à qui nous est commandant Delma, nous dit au Cap, nous courons entrer. Et il me dit, il faut aller au côté président Préval, parce que je l'ai là-dedans. N'allez. Le président Préval dit non, ça c'est la président Aristide pour nous, parce qu'il nous dit, faut que nous arrêtions dans le cadavre. Le président Préval dit, la prélève le président Aristide pour le dire ça, bagarre, il même lui a pris la décision ça. Le nid est d'abord, il dit non, on est dans le cadavre, mais mon second il va faire dans la prison. Alors le ça, oui, il me déraille. Et il me dit, bon, j'en vais pas là, là, on ne va pas quitter Haïti, tomber dans la là. Bon, c'est vrai que moi, révolté, son policier, je me bat de révolter, je me bat de rébeller, selon, j'en pense là, mais comme citoyen, comme monde. Je ne peux pas accepter des autres en fait. Donc je me rébelle. Je suis obligé de partir. Je me quitte le pays. Moi même, je me tourne. Je suis en rébellion et je freine des rives là. Et c'est ça que je fais. D'accord. Donc Gary m'a dit que c'est consalé, donc c'est pas un problème okay. Personnel. Oui, oui. Haïti était dans une mauvaise situation. C'est une transhistoire. Je fais deux voix comme citoyen. Hier matin, après le journal, il y a un ami qui est proche de la coalition Vive Ensemble qui relève. Pour moi, il dit que les suivent moins religieusement. Et li très remettande mtou. Moi dit le merci, ça fait plaisir. Li ra poursuivre pour le dire que li tande m'ta parler matin en parlant de hier de université qui boulé ou bien que nèg exam yo boulé. Li ta même dit de qui université m'a parlé même. Alors faut que moi précise ça. C'était un échange pour le moins cordial. C'est pas ton bagage qui t'est fait avec arrogance ou bien irrespect. Très gentiment moi répondre pour me dire je supposé au mieux placé passer pour connaître de qui université m'a parlé. Et là, m'a parlé de l'Université d'État d'Haïti, qui, pendant la dernière vague violence, a gagné plusieurs facultés là-dedans, qui subit Zak Bandio. Moi, parlé de la faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire au niveau de Damien. Negaxam t'a investi espace là. T'es volé matériel, t'es crasé, t'es boulé. Moi, parlé également de la faculté des sciences, FDS. Moi, parlé de l'école normale supérieure. Moi, parlé de l'école nationale des arts, etc. Alors, pour mon état avec nous, li pa pose une question pour le dire de qui université m'a parlé à dans sens
pour montrer que pas gagné effectivement faculté ou bien université qui boule non. L'idée pas là c'était pour remettre en question qualité université de gagné dans pays d'Haïti, pour nous remettre en question faculté ça yo qui passait en bas flamme ou bien nèg examen vandalisé, saccagé etc. Et m'd'après le comprendre ça, c'est l'œil prend exemple l'école normale supérieure pour la dire gardon côté a former formateur ou bien a former enseignant qui pourra le bail mon formation qui pourra le former des générations et des générations. Donc ça pas aucun bagaille pour avec université. Donc pour lui l'el boulé ou bien les yo boulé en local en faculté comme ça son coup de main yo bail pour aider repenser côté il y a formé des enseignants côté il y a formé des monde qui peut aller pour former l'autre monde. On dit monsieur est d'accord avec moi ça sont l'autre débat. Je dis à ça ou expliquer là il pas justifié le fait que des nèg exam décidé attaquer des écoles des établissements scolaires ou bien des établissements universitaires. On dit c'est vrai que nous d'accord université a gagné en pile problème. C'est vrai que jodi a nous capable remettre en question j'en a fait université ici. C'est vrai que si n'a prend UEH là qui c'est université l'état li gagné un paquet problème. L'État d'abord, malgré ces universités, l'État qui traitait l'université en parents pauvres, dirigeants qui succédaient dans cette université, qui quand même descendent pantalon, qui pas fait ça ou t'as doué fait, corruption qui caractérisait l'université, conditions d'apprentissage étudiants, conditions de travail pour professeurs, espace côté étudiant yo hier question cafétéria question laboratoire de recherche question dortoir pour ne citer ça seulement c'est autant de problèmes je dis nous capable poser là n'a parlé de université en pays d'Haïti mais en aucune façon ça pas qu'à justifier décision criminelle un groupe individu exam prend pour attaquer à des universités ou bien à des facultés de l'université d'État d'Haïti. Ça pas justifier ça. Ça pas justifier le fait que l'université a li non état déplorable et pour on exime en guise de revendication ou de protestation premier acte proposé c'est à bouler espace en faculté ou bien espace université à tout court. Ça, je vais mettre ton zam de tête moins, je ne vais pas comprendre. Nous capables toujours mener une bataille permanente pour repenser l'université dans le pays d'Haïti. Nous capables toujours mener une bataille permanente pour poser une série de problèmes réels qui gagnent dans l'université. Mais je dis à nous pas capables d'encourager personne. Quel que soit sort à comme problème avec l'université dans le pays d'Haïti, pour décider c'est boulot pour le boulot, c'est craser pour le craser, c'est piller pour le piller, c'est vandaliser pour le vandaliser. Parce que je dis à la, l'école normale supérieure, comme exemple, n'a pas allé à la, malgré conditions où étudiants apprennent, mais c'est une faculté parmi un paquet de l'autre, il y a des seuls. Qui baille des normaliens chevronnés, des mouns qui viennent entrer dans le système éducatif là, qui quand même n'en façon pas eux mettez empreinte. Donc c'est mouns qui contribuent à la formation de plusieurs générations. Gros ensemble de cadres aujourd'hui, qui soit dans l'administration publique là, ou bien dans le niveau secteur privé là, qui a brillé, qui sorti en dans l'université l'État. Je dis à des étudiants ou bien des monde qui passaient dans l'université de l'État
qui allait à l'étranger guerrier qu'elle brillait non série de université côté que déjà gagné étudiant étranger à qui lui-même il y a toutes conditions réunies pour bien apprendre. Il est arrivé une calé tout beaucoup. L'on parle de faculté des sciences guerrières. On parle de l'école normale supérieure guerrière. On parle de faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire. C'est pas deux mounes lourds qui sortit en dans faculté ça. La faculté des sciences à peine rénovée. Par moi bien pour reconstruit donc ça dit ça me chape dit là peut-être pour l'école normale là pas même par contre papa Kembe donc quel que soit sort à ka gagne jodi a avec Jean n'a fait univers Max tem muito mais a ver contigo porque tem as estreias mais esperadas e muito mais de tudo que tu gosta chocolate aqui tem muito mais do que tu quer ver. Are you sure? Mas claro, né? Mas muito mais a ver. O que você faz para cuidar da sua pele? Eu faço espaço laser para sentir a pele maravilhosa e jogar a minha autoestima lá pra cima. Milhões de pessoas já fazem espaço laser. Eu sinto a liberdade na pele. Eu faço espaço laser. Petit personnel là, etc. Nous-mêmes, nous effectuons des visites au niveau de local qui loge l'hôpital général là. Nous avons une série de problèmes, effectivement, qui mettent inconfortables pour nous parler de l'hôpital général en des termes élogieux. Pour nous même arriver dit, c'est plus gros centre hospitalier VIA. Nous connaissons un problème, oui. Problème de l'eau, mauvais l'odeur. Problème conditions de travail pour médecins résidents. Problème corruption qui gagne dans l'hôpital général. Moun yon l'hôpital général qui a détourné soit matériel ou bien médicament l'hôpital là. Problème qui d'ordre administratif, etc. Le problème est en pile. Mais est-ce que ça, bah yon moun ou bien yon groupe moun doit pour lever bon matin, pour prendre contrôle l'hôpital là, pour craser l'hôpital là, ou bien pour bouler l'hôpital là? Non. Pas bien ça. Et puis voler ça que tu es là. Non. Elle dit pendant il dit il pas suffisant mais il prend ça que tu es dans l'espace là. Ça c'est pas seulement bouler le lieu, il prend ça au joindre d'eau là dedans. Oui. Parce que toute sorte de l'hôpital général en termes de problèmes guerriers. L'hôpital général aidé en pile lui. Oui. Il y a des spécialistes là-dedans. Il y a des appels. Parce que dans ma perception, là, on parle de l'hôpital général. Peut-être nous, ouais. Bâtiment. C'est peut-être un espace qui fait pour les gens qui peuvent. C'est peut-être ça, nous, ouais. Capable de dire ça, tout, oui. Moun de petite bourse. C'est-à-dire, malheureux, malheureux, qui n'ont pas de possibilité pour payer coût soins santé au niveau des hôpitaux privés. Mais sous garde dans vocation première, l'hôpital s'il a guerrier. C'est l'hôpital yo fait que tu es capable de regarder sur tout l'hôpital en termes de 1 spécialiste qui est disponible, 2 matériel. Ouais. Ça veut dire toutes sortes pas ta capable joindre l'autre côté ou tu dois ca joindre dans l'hôpital l'état. Oui? Tout service qui limité dans série de l'autre hôpital ou tu dois joindre sans problème dans l'hôpital. L'État, oui. A un prix, bien sûr, très démocratique. Pour qui ça? Parce que l'État subventionné, 1, prise en charge d'une série de maladies, 2, infrastructure ou bien des matériels de soins, 3, personnel médical, infirmier, etc. Donc, qui vient faire ou même à l'hôpital là, l'agent a dû payer, ou bien t'a dû payer, ou pas payer, parce que Jean. L'été défini depuis l'air, il a venu avec cet hospitalier. Donc l'État est à couvrir un bon parti dans ça. C'est ça l'idée. C'est vrai que les gens qui passent dans la tête l'État et même directement dans la tête l'hôpital là, ou bien dans la structure institution qui c'est institution de tutelle
l'hôpital général yo corporatisé si m'ka dire à l'hôpital général, mais en réalité l'hôpital général c'est un hôpital qui était fait n'importe monde te ka aller là-dedans quel que soit sorte ka gagner comme problème de santé comme maladie. Si Jean te ka aller, si Jacqueline te ka aller, même Jean monsieur X monsieur Y te ka aller sur l'hôpital là tout. Parce que dans l'idéal sur l'hôpital qui Jean te dit tout à l'heure il y a toute spécialisation qui est disponible pour ne pas dire majorité, tout spécialiste là etc. médecin, infirmier, tout niveau, vous comprenez, brancardier, tout monde là et puis tout matériel qui bon possibilité pour un laboratoire de dernier cri, médicaments, vous comprenez, tout examen possible, tout soit après le payer un paquet d'argent pour faire dehors ou tu es capable de faire au niveau de l'hôpital général. C'est ça. Nous entend nous corporatiser l'hôpital là. Nous venons faire l'hôpital là passer comme on l'hôpital de bas quartier, comme on l'hôpital de seconde zone. Mais malgré ça, guerrier, l'hôpital général où est là, malgré toutes sortes de qui est comme problème là, li aide en pile dans le pays. Nous faisons expérience là, dans l'espace première occasion. Il y a plusieurs mondes qui viennent là. Qui vient dire, mais ça ou bien comme problème de santé, opération pour yon faire une intervention chirurgicale qui doit être faite, etc. Qui t'a dû coûter gros l'argent ailleurs, qui vient poser problème pour yon voyager, problème de passeport, l'argent. Guerrier en particulier, qu'on fait des contacts au niveau de l'administration de l'hôpital général là. Pour permettre que, au moins, une intervention qui fait. Et gros dame guerrier, m'basso génol, m'batap cité dans le tout, qui est bon petit qui est bon balle dans le dos, m'a dit, vous songez. Bah là t'es logé dans dol tu vas pas te vivre bien à malade de temps en temps etc. Il te doit aller au République Dominicaine l'un de tes amis Bilader a fait passeport pour lui dit lui al opérer nous songer première démarche que t'es fait c'est le docteur qui docteur Milsé oui bah on s'est mis c'était là mais c'est ça avant vous voyez Milsé où t'es relé faut démarche et opération en fait et dame non remercienne un il pas dépenser l'argent pour aller au République Dominicaine là il pas aller au République Dominicaine il a pas le côté peut-être l'argent voyage, l'argent hébergement, l'argent pour manger, etc. Mais de tout, l'hôpital l'a fait là pour l'opération fait là pour craser monnaie. Et l'hôpital général l'a fait. Par contre, vous comprenez bien. Il y a des bons médecins là-dedans. Donc là, on est, ou bien on femme, ou bien on groupe monde décide ou dit comme ça que parce que l'hôpital là a ensemble de problèmes, parce que l'hôpital là arrivé dans niveau ça pour nèg yo faire de lit peut-être on espace qui malade pour qu'on parle alors que c'est lit table bay soin parce que l'hôpital la gagné question et problème administratif problème qui lié avec corruption problème de gouvernance problème de conditions de travail etc. pour dire moi ça que ou décider bouler ou décider craser ou parce que moi m'a pas encouragé ça ce n'est pas la meilleure des protestations par contre je comprends. C'est vrai que l'hôpital était déjà malade dans tout col, mais à partir de violences en série qui commençaient le 29 février 2024 pour arriver aujourd'hui à qui dans un premier temps était rendu dysfonctionnel l'hôpital là parce que il y a des personnels ou bien personnel santé à Simbari le conseil personnel médical là pardon pas qu'à descendre en bas puisque environnement l'hôpital était toujours bien affrontement des malades qui étaient là quand même il y a des médecins qui te font passer mais aujourd'hui là pas l'hôpital général quand même. Nous t'avons expliqué ça hier, dans le moment côté administration de l'hôpital là, tu annoncé des dispositions pour permettre que l'hôpital là retourne fonctionner, ne serait-ce que progressivement à partir de la date du 1er avril, et c'est dans le moment ça n'est examen va l'hôpital là. Alors, mon ami dit là, les écraser l'hôpital général parce qu'il n'est pas bon, et qui raison qui fait écraser ces fonds de salle. Elle dit, pharmacie qui est dans la zone de l'hôpital général, là, au boulet, c'est parce que n'est pas bon tout. La gamme de son faux prétexte. C'est une bêtise à mon nom. On dit, ouais, bataille pour pays, comme une série de bail qui était déjà et pas de bon, ou bien c'était l'État qui était à pour nous, une série de bail ou à bain, donc nous tout profiter comme si. Et, non, pas d'accord. Elle dit, au cas de toute institution net.
Voilà, discours que l'on va décortiquer et analyser avec notre invité Gilles Yabi depuis Dakar. Bonjour, merci de répondre à France 24. Vous êtes politologue, vous avez donc suivi le discours du nouveau président élu, discours extrêmement applaudi par un parterre d'invités, bon, acquis à sa cause bien sûr. On a découvert un Bassirou Diomaye-Faye très posé, très concentré, un peu intimidé même. Sur la forme, on est loin là de la rupture annoncée, de la thérapie de choc. Il avance presque à pas feutrer pour mieux rassurer. Bonjour. Non, je crois qu'il s'agissait d'une cérémonie très officielle d'investiture. C'est normal qu'il ait adopté une posture très, très posée, très calme. Il y avait beaucoup d'invités, des chefs d'État et de gouvernement, des autorités du continent. Il était important qu'il affiche justement ce calme et cette sérénité, qui sont d'ailleurs aussi considérés comme étant des traits de son caractère. Mais est-ce qu'il a besoin de rassurer, que ce soit les Sénégalais ou même les partenaires ? Oui, bien sûr, il a besoin de rassurer. Sa jeunesse est un atout, c'est un des éléments très appréciés par les Sénégalais, et sans doute une des raisons aussi de son élection, même s'il ne faut pas oublier que c'était aussi en grande partie une sorte de référendum pour la continuité ou pour la rupture. Et donc il incarne cette rupture par sa jeunesse, mais aussi par son parcours. Mais en même temps, évidemment, il n'a pas occupé de fonction politique, il n'a jamais été dans un gouvernement, il n'a jamais été non plus un élu au niveau national ou même au niveau local, et donc il a besoin de rassurer par rapport à ce qu'on pourrait lui reprocher, un manque d'expérience de la gestion des affaires publiques. Et ça, c'est important pour des Sénégalais, une partie de la population sénégalaise, d'être rassurée sur cela. Et c'est aussi important pour les partenaires extérieurs du Sénégal qui regardent tout cela de près en étant satisfaits du dénouement intéressant de cette tension par une élection incontestée, mais en même temps en étant sans doute un peu circonspect quant à ce que sera la gouvernance du président Bassirou Diomaye-Faye. Alors venons-en les priorités du nouveau président. Il a évoqué une démocratie renforcée, une justice indépendante, un Sénégal juste, prospère, une Afrique en progrès, la préservation de la paix, la cohésion nationale, bon, ça reste bien sûr des paroles. Sur quels actes va-t-il être jugé en premier d'après vous ? Oui, alors à nouveau, il y a toujours bien sûr des promesses de rupture et l'accent mis sur la paix et la cohésion. Il est important, lorsqu'on connaît un peu l'histoire politique récente du pays, les trois années quand même de tension avec des morts, donc c'est important, mais je pense qu'il n'aura pas beaucoup de mal sur ce terrain-là, du fait à nouveau de la clarté de son élection. Sur le terrain économique et social, évidemment, les attentes sont très importantes de la part de la jeunesse. L'élément clé pour, je dirais, presque tous les chefs d'État, tous les gouvernements dans les pays de la région et du continent, c'est la jeunesse et l'emploi. Donc, évidemment, sur ça, il n'y a pas de miracle économique possible en quelques semaines ou même en quelques mois, et voire en quelques années. Mais je pense qu'il sera attendu au moins sur l'aspect symbolique, sur une gouvernance sobre, vertueuse et peut-être aussi un peu plus collégiale. Et ça, je pense qu'il peut donner des signes très forts là-dessus et d'une certaine manière s'appuyer sur l'excitation aujourd'hui de beaucoup de Sénégalais par rapport à cette nouvelle page. Ce n'est pas tellement lui qui va nécessairement produire les changements attendus, mais s'il réussit à donner le signal qu'il croit à la jeunesse, qu'il croit à l'intelligence collective des Sénégalais, de l'intérieur et de la diaspora, c'est important. Il a beaucoup de soutien de la part de la diaspora. Là, il peut impulser quelque chose de très intéressant parce que c'est les Sénégalais qui auront confiance en eux. Alors, vous parlez d'une gouvernance collégiale. C'est vrai qu'il a été porté au pouvoir grâce à une coalition de forces hétéroclites. Il y a eu les déçus de Macky Sall, le camp Ouad qui lui a apporté un soutien à la dernière minute, certains opposants aussi. On se demande comment cette alliance peut tenir sur la durée. Oui, c'est le défi politique immédiat, je dirais, puisqu'il faudra bien choisir un premier ministre et former un gouvernement. Et ce sera bien sûr le premier test pour voir exactement est-ce qu'on aura un gouvernement très pastef, c'est-à-dire avec le parti et le projet qui a amené Bassirou Diomaye-Faye au pouvoir, qui est aussi le projet
d'Ousmane Sonko, il ne faut pas l'oublier. Et où est-ce qu'on va avoir une ouverture tout de suite avec peut-être certains des candidats à l'élection présidentielle qui ont soutenu Bassirou Diomaye Faye, qui vont également faire partie de ce gouvernement. Mais je crois qu'il faut, faire attention au fait qu'il a été élu à nouveau de manière très claire avec 54% des voix et que le soutien, par exemple, du PDS, il est venu au dernier moment et ça ne veut pas dire nécessairement que Bassirou Diomaye Faye et le PASTEF auront besoin de donner beaucoup de poids, disons, à ces partis politiques traditionnels qui ont été sévèrement sanctionnés par les électeurs lors de ce scrutin. Vous parliez d'Ousmane Sonko, c'est l'homme qui aurait dû être président à la place de Bassirou Diomaye Faye. Quelle place il va pouvoir lui donner? Quelle place il va vouloir aussi lui donner? Une place de choix, Premier ministre, président de l'Assemblée nationale ou pas? Bon, évidemment, c'est la question que tout le monde se pose. Mmh. Cela sera déterminé par les deux, je crois. Évidemment, on ne sait pas s'ils ont déjà décidé, mais ce sont des compagnons très proches, des compagnons politiques qui ont mené un combat très important pendant de longues années avec un prix élevé. Ils ont tous les deux passé beaucoup de temps en prison. Et je crois qu'en tout cas, dans un premier temps, ça m'étonnerait qu'il y ait des divisions. Tout le monde a peur que, évidemment, cela arrive à un moment donné, que ce soit un des risques politique aujourd'hui. Mais je pense que, en tout cas, dans un premier temps, ils vont sans doute s'entendre sur la répartition des rôles. Il pourrait être Premier ministre s'il choisit d'être, au fond, tout de suite, Ousmane Sonko, s'il choisit d'être, au fond, celui qui va mettre en œuvre le projet du parti qu'il a quand même incarné. Et là, évidemment, il sera au premier plan et peut-être avec cette autorité qu'on lui connaît, avec des ministres, disons, qui le suivront. Bassirou Diomaye Faye a une personnalité un peu plus effacée et on pourrait tout à fait l'imaginer comme un président qui va rester dans ce rôle un peu effacé avec une gouvernance différente de celle de Macky Sall et en même temps laisser peut-être les mains libres à Ousmane Sonko pour mettre en branle un peu le projet du PASTEF. Mais on peut faire l'autre, disons, on peut avoir un autre choix, celui de l'Assemblée nationale, ce qui permettrait plutôt à Ousmane Sonko de s'occuper du volet politique, de consolider, disons, le PASTEF, le parti, et de s'assurer que le parti dispose d'une majorité claire à l'Assemblée nationale lorsqu'il y aura une dissolution, sans doute, de cette Assemblée nationale. Oui, vous misez sur des élections anticipées. Bon, tout cela devrait se décanter. Gilles Yabi, j'aimerais réécouter un autre extrait du discours de Bassirou Diomaye Faye sur ses relations notamment avec les partenaires et on pense évidemment à la France, on l'écoute. Aux côtés de mes pères africains, je réaffirme l'engagement du Sénégal à renforcer les efforts déployés pour la paix, la sécurité, la stabilité et l'intégration africaine. Aux pays amis et aux partenaires, je réitère l'engagement et l'ouverture du Sénégal à des échanges respectueux de notre souveraineté, conformes aux aspirations de notre peuple, dans un partenariat mutuellement gagnant. Voilà, il avait dit vouloir une collaboration respectueuse, vertueuse.